Shh, shh, let's cut it. Shh. What I do, I do. Shh, you listen, do you hear me? I've got blood. Je l'entendais pas. Ça a sonné. Et voilà, bonjour monsieur, vous avez un colis. Bon, j'entends rien moi, j'entends rien. Bah si monsieur, vous avez un colis là. Regardez, c'est marqué dessus. BlizzCon. Et on va se calmer. Il est tout chaud. Il vient à peine de sortir. Alors, comme promis, comme chaque année, bah, chaque année, hein, c'est la deuxième année, hein. Mais c'est pas le premier. Enfin, si, c'est le premier, c'est le deuxième. Voilà, allez, on ouvre. Chut, doucement, doucement, hein. Il y a des trucs fragiles dedans. On sait pas trop. Oh, on dirait un petit gamin devant son cadeau. Hein. Vas-y, mon cadeau de Noël. Allez, on va se calmer. Oh, tu vas l'ouvrir ton truc là. Alors ce que toujours pareil, le problème c'est que le colis il arrive comme ça en fait. C'est marqué de partout BlizzCon et machin. Ah, moi je sais pas, le gars qui travaille au truc là, au truc BlizzCon. Par contre là ils ont foutu un scotch, j'arrive pas à sauver. Sauver oui. J'arrive pas à ouvrir le. Et oh, je veux garder la boîte moi. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Oh merde. Oh, on l'a eu. Oh, d'accord. Donc ça, ouais, là c'est ça là. Hop, non, elle est là la caméra. Ouais, de toute façon, c'est ouverture là. Allez, on y va. Parti mon kiki. Vidéo BlizzCon 2e 2016. Oh putain, il y a des trucs là-dedans. Ouh. Vous voyez bien là? Hein? Non mais retiens. Voilà. J'ai dû aller le chercher directement au. Ah putain, ils ont foutu un truc. Hop, tu t'emportes. J'ai dû chercher le colis directement au dépôt de chez FedEx, il me semble que c'était. Ouais, FedEx. Là, cette année, ils me l'ont ramené. Ils sont gentils, hein, les enfants. Alors, ça, je pense que c'est le. Alors, ça, je pense que c'est la shop. Donc, j'ouvrirai en dernier. Avec. Alors, bien sûr, là, vous voyez. Hop. Je mettrai les petites photos sur Twitter, hein, donc voilà, avec toutes les petits logos, les petits trucs, là. Ici, 10 years, 10 epic years, donc de 2005-2016, donc ça fait 11 ans, mais c'est pas grave, puisqu'il y a une année où ils étaient pas là, en 2012, n'est-ce pas? 2012, ils ont pas fait de BlizzCon, donc c'est 10 ans de BlizzCon, c'est... Ah tiens, 2006, on pue, tiens. Ok, et puis, franchement, le logo, là, clac. Donc, à la fin, on le verra après. D'abord, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Ça, c'est... Donc, alors... Ah oui, c'est l'action New Series Coming November 2016. Oh, joli. Ah, on l'ouvre. Alors, c'est en anglais. Ah, c'est génial, ça. Allez, je vous la montre. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà, je vais quand même voir ce que je vois. Voilà. Donc voilà, c'est une espèce de petite map comme ça qui montre un petit peu le la nouvelle série qui va sortir, qui vont annoncer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, ah, une boîte vide, ah, pour combler le trou. Alors le fameux... Donc là, ils ont mis un carton vide. Allez, la boîte. Putain, la boîte elle pèse son poids. Elle casse qui se barre. Putain, mais c'est des... C'est ça quand on fait des vidéos improvisées. On n'a rien préparé du tout. On se fait sonner et puis on se dit, voilà, on va faire une vidéo vite fait pour dire j'ai eu le goodie bag. On va commencer quand même dans le vif du sujet. Alors, donc ça, c'était le... Oh, friend, glory to the Alliance. King's Honor. String Horn. Alliance, choisissez votre côté. Voilà, ça c'est pour le sous-plat. Pour le verre. Vous avez compris? Non, tant pis. Voilà. Hop. Hop. Alors c'est un petit dépliant qui est qui va vous expliquer le. Le marteau de Reinhardt en gonflable.
Voilà, c'est juste des petites explications, comme quoi il faut faire attention. C'est un truc, voilà, il faut pas donner aux enfants de moins de 4 ans. 14? 14? Non, peut-être pas, non. 4 ans. Hop, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas si. Ah, ben si! Ouais, c'est génial! Alors, on a un médiator. Un médiator, c'est bien ça pour ceux qui font de la guitare. Il faudra que je l'essaye d'ailleurs. Un médiator ETC. Hop, la caméra, elle est là. Hop, tu zoomes, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. ETC, un médiator, super. Bing, bing. Pour faire de la. Faut que je le recherche. Faut que je recherche. Attends. Alors, nous avons dedans un dominant. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas joué à StarCraft depuis un moment, moi. Donc, vous avez un dominant. Tu lui mets le support là. Voilà. Voilà. Alors, c'est un truc anti-stress, apparemment. Et c'est un dominant. Donc, c'est unique. Voilà. Donc, c'est un dominant. Tiens, ouais, regarde. Donc, on le voit pas bien. Ah, il est un petit peu. Je ferai des photos sur Twitter. Donc, c'est un dominant anti-stress, comme ils disent. Donc, ça te permet de. Voilà. C'est anti-stress. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Hearthstone. Tissu pour. Un tissu pour les écrans. Voilà! Magnifique. Magnifique. Franchement, là. Ouais. C'est génial. Pour essuyer les verres. Pour essuyer l'écran. Donc voilà. C'est un bon petit. Un beau tissu. Superbe, belle finition. Là, franchement, c'est bien. Il est super le truc. Il est. Bravo, bien fait. Impeccable. Ensuite, on arrive. Oh, alors là, on a un dé dessus. Donc, je pense que c'est Diablo. Tu vas pas bien, hein? Ouais, moi non plus. Alors, on va ouvrir. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Pochette surprise. Donc, c'est un jeu de dés. Dés, dés! Un jeu de dés Diablo. Voilà, un jeu de dés. Magnifique! Donc on a des un petit peu bizarres. Ce rythme-là, la vidéo, elle va durer 1 heure. Hein. Ah, ça y est, il a eu. Hop. Alors, ouais, bon, bref, il y a d'autres dés. Il y a plusieurs dés, des pyramides, des octogonaux, des tétraèdres, des carrés, des ronds, des dés cassés. Enfin voilà, c'est des dés Diablo 3. Hop, ma petite pochette. Ensuite, nous avons le. Ah, le fameux. Mais je l'ai pas gonflé l'autre l'année dernière. Donc, ça, c'est le marteau de Reinhardt. On va le gonfler. Ah, il y a deux, trois endroits à gonfler. Bon, allez, je vais gonfler. De toute façon, je couperai au montage. Allez. Ah! Et d'un. Deuxième. Ah, stop! Voilà. Et le deuxième. Le troisième, pardon. Plus si ça m'a plus compté. Alors, voilà, le marteau de Reinhardt. Ah. Il se dégonfle, le con. Voilà, le marteau de Reinhardt. Voilà, le marteau de Reinhardt. Voilà, c'est sympa. Faire des batailles sur la piscine, à la plage, cet été. Donc voilà, le marteau de Reinhardt, flattable. Flattable. Alors, ensuite on en arrive, ça y est, là c'est mort, là c'est vide. Là, ça c'est bon, c'est fait. Alors, bon, on en arrive au plus gros, au plus beau, je pense. Oh putain, alors déjà, donc là on voit bien que c'est bien protégé, hein.
Allez, on va le sortir. Hop, voilà. Donc c'est super bien protégé, hein. C'est, on voit rien de toute façon, c'est blanc. Oh la vache! Oh la vache! Oh, oh ouais! Oh ouais! Oh ouais! Mais ouais, mais juste. Ah, je l'apaiserai après. Et c'est pas du plastique, hein. C'est dur. Regardez-moi ça. La qualité. Bon, attendez, je vais la mettre comme ça. Vous avez qu'à tourner la vidéo après. À la tienne, Bizarre. Pour tes 25 ans. Tes 20 ans de Diablo 3. Tes 10 ans de BlizzCon. Et comme dit, revenir sur la carrière énorme, énorme. Voilà, là je dis merci, chapeau. BlizzCon 2016. Donc la petite shop, comme ils l'ont dit. Commémorative, voilà, du 10e anniversaire de la BlizzCon. 10 years epic. Voilà, cette année, ça va être lourd. Donc, je vais faire des photos, je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà, c'était le Goodie Bag 2016. Mais alors là, la shop, allez, je vais la peser. Je vais vous dire ça. Reviens. Je suis pas là. 925 grammes. Alors, non, j'ai pas dit Instagram, j'ai dit 925 grammes. Voilà, donc 925 grammes. Par contre, c'est marqué derrière Only Wash Hand. Donc, faut pas le laver Hand Wash Only. J'ai tout inversé. Faut pas le laver au la vaisselle, machin là. C'est à la main. Only à la main. De toute façon, ça tu t'en sers pas. Ça. Tu vas pas mettre de la bière là-dedans. Ce serait. C'est pour mettre derrière une vitrine, pour exposer. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Bizarre. Voilà, top. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était juste le vous montrer mon enthousiasme du truc, quoi, du machin, du goodie bag. Il est où mon truc? Ah, voilà. Donc voilà, donc ce week-end, la BlizzCon. Donc voilà, on se retrouve vendredi 19h. De toute façon, je vais pas faire de live, je peux pas, puisque j'ai une connexion. Et je ferai de toute façon une vidéo dès que j'aurai première annonce de Diablo 3. Si, si, il y aura une annonce, je te dis. Allez, ciao. C'est super, ça, j'adore. Allez, super. Ciao. Il est carré. Coupe. Allez, ciao. Allez, vas-y, maintenant, c'est bon, on coupe. Reste pas, c'est pas la peine, il n'y a rien d'autre, là. T'es encore là ?